fait toute qualité Zach malhonnête dans le pays ya. Et puis pour que nous ouvrions porte pour tout petit pays ya, qui déo pays ya, qui besoin rentrer dans pays ya, pour venir faire politique en dans pays ya. C'est bataille ça que nous avons fait et c'est lui que nous engageons sous toute forme pour que nous capables libérer pays ya. Quel que soit monde qui propre qui honnête depuis c'est dans équipe sont choisi rentrer on grande bagaille qu'on capable faire situation système dans hier dans pays d'Haïti pour battre contre lui très très bien. Pour éliminer automatiquement, c'est de manière stratégique. Ou rentrer en dans système là, et puis s'entendre à tout, ou dérailler système là. C'est exactement ça, Jovenel Moïse. Te fait ça que le pat même est un objectif là dès le départ. Parce que le pat connaît que il a besoin de tout véritable obstacle ça yo, puis qu'on a ça yo sur route. Mais à partir du 15 octobre 2019, Jovenel Moïse décide pour le ramasser piel et pour le décider dérailler le système. Nan. Il s'est déraillé complètement le système. Nan, et jusqu'à maintenant, le système n'est pas jamais capable de prendre le rail, que le doit prendre le rail. Parce que automatiquement, le système n'est pas focus sur lui, il n'est pas conduit bien. Est-ce que nous là? Il n'est pas conduit bien. Automatiquement, le système n'est pas que ou bien contrôlé dans le niveau ça, il n'est pas conduit bien. Mais dans ce sens, ça qui cause le système nan, a marché chercher moun pas si par là pour l'acheter. Mais nous-mêmes, tout le monde. Vraiment tout le monde, pardon. Qu'on est principe là déjà. Attaquez. Pas venir parler de l'argent. Attaquez. Pas venir parler de négociation. Attaquez. Pas ban pression comme quoi que vous capable de nous qui ça pour nous faire. Même dans le rêve, ou pas capable passer. 30 mai 2024. Dossier l'argent Petro-Caribé. Après que. Peut-être ça capable. Étonné nous, tout vient avec dossier ça sans que je ne pas annoncer. Voilà. Ancien sénateur Edo Zeni, qui a une station radio dans le sud-est pays, qui est la radio Peuple, la Kaino. Et équipe Edo Zeni, met tout petit bagaille sous Petro Caribe pour nous. Mais nous ne pouvons pas tout détail honnête parce que m'écrit, yon moun, m'pense peut-être qui cap ban mwen dossier ça. Dossier Petro-Caribéen et résolution qui prend net de René Préval et René Préval Belle-Rive, René Préval Madame Duvier-Pierre lui et René Préval jusqu'à Privert résolution yo. Mais équipe sénateur Edo Zeni gonti l'on circule bay que me trouve qui extrêmement important l'un bay des amis vérifier pour moi yo dit que li vérité m'va le faut partager l'ensemble avec nous et après ça nous va le faire calcul sous l'agent fonds Petro-Caribé. Gary Koni, est-ce que vous avez gagné l'agent dans fonds Petro-Caribé qui était décaissé sous nom? Alors, sous administration ou même là, ou même atelier. Eh bien, dans ça comme jeune devant là, effectivement, Gary Koni, tu as gagné un gros bout de tonton, résolution qui était en prend sous administration, monsieur, comme premier ministre. Mais pour nous commencer, m'a dit nous tout d'abord. C'est tout nèg avec femme qui dans classe politique la peuple haïtien pour nous t'ava exécuter sur les champs pour payer t'ava ralon souffle automatiquement parce que pap jam go moun propre k'ap vini en bas pour faire politique pendant que ravet politique ça ou existé en dans pays ya pour penser que li capable faire un bagage qui propre. C'est tout nèg avec femme qui rentre dans l'État définitivement qui volant parce que ou gon obligation pour qu'on volant de pour choisir rentrer dans l'État dans condition qu'il y est là. Pas gon moun qui nan appareil judiciaire là qui pas impliqué nos bagay qui sale. Ça qu'arrivé. Li fini par rendre compte, il décide de faire bac. Mais 98% juge femme ou garçon qui nan appareil judiciaire là, yo tout yo dans volant. Yo tout yon nan détruit pays d'Haïti, yo tout nan aide l'État mette. Alors, nan mette l'État à genoux nan niveau mette la genou. Sinon, on a kap tap réfléchi 10 000 fois avant que le décide pour détourner 200 à 300 millions de dollars américains. Et c'est grave. C'est malhonnête. L'opre le cas de si monsieur Matéli yo. Gen de la dan yo. Moi-même, personnellement, pas de personnel ensemble avec eux. C'est deux musiciens qui ont eu.
Ouais, c'est deux petits mouns qui aiment la musique. Ils font bien. Ils font belle musique. Ouais, c'est talent, naturellement. Ce n'est pas l'argent comme si on a dit qui n'en met yo et que le peuple a souffert, non? Comme si, alors qu'il a tout aider pays, non? Qui a fait la musique. Moi, c'est talent, naturellement. Ils ont remis ça à faire. Ils ont fait avec tout le temps. Ils ont fait avec tout. Et eux-mêmes. Je n'ai pas de pièce problème avec ces messieurs. Mais c'est chaque le où ces messieurs a prend plaisir yo, avec maman yo, papa yo, et puis on regarde pour eux dans niveau que Jovenel Moïse assassiné. Ça m'a dit, faut qu'on réfléchisse. Situation compliquée. Gen des détails ou supposé qu'on est. Dans l'état n'a gemeté paysan, faut qu'on ait raison que faire mettre là. Gon seul bagay qui motive tout politicien haïtien. Vole. Et pas gen un yen que yon décide faire pour que pays sa ralon souffre, même pour yon seconde. Parce que tout politicien haïtien remè le yon gen pile moun ap vin devant la kayo, ap vin plein grand goût, misère, femme kay, petit moun l'école, doule calamité, l'hôpital, tout bagay yon remè ça. Mais yon pap kre condition pour que l'hôpital a fonctionné normalement, pour peuple capable de gagner accès avec l'hôpital, là, avec son santé, normalement. Il va faire. Faut que c'est lui qui pour créer conditions pour la fondement pour le volant gros comme sous non paysan ça qu'elle dit qu'il s'est militant le monde parler pour le voyer là le prend un petit cal soin faut que toujours joindre pile monde bon côté et c'est même stratégie ça que toute gang cap kidnapper monde cap terroriser monde dans pays employé c'est l'argent et mais c'est dans sens ça où on a décidé dilapider yo l'argent cash qui était capable aider pays a gon l'autre visage on pas dit développer mais aider nous mettre pays sur rail si nous t'ai organiser nous pour nous prépare alors et bien gérer fonds Petro-Caribéa. Même j'entends, si nous avons des gens qui sont honnêtes, qui ont un sens de responsabilité, qui sont capables de garder blanc dans les yeux, eh bien l'argent CIRH n'a pas passé, j'en ai passé. L'argent passé, faou, là le tombé côté pour le tomber. Ça veut dire que Chaudière monte sous nos timoun, li descend sous nos gros palto, gros torien abab. Timoun yo pas goûté en yen dans Chaudière. Comment l'argent fonds Petro-Caribéen été décaissé et sous qui administration que l'été décaissé? Voilà. Crédit, petit texte ça que nous prenons là pour sénateur Edo Zeni. Il y a un monde qui vraiment pile. Voilà. Première résolution qui prend dans fonds Petro-Caribé. Gros résolution. C'est de sous administration Préval Belle-Rive. OK? Alors, Préval, Madame Divivier Pierre-Louis, c'était 10 septembre 2008, première résolution qui prend dans l'agent fonds Petro-Caribéen. Et l'agent, c'était 197 500 000 dollars américains. Résolution a été prend 10 septembre 2008. Premier l'argent qui décaissé dans fonds Petro-Caribéa. 197 500 000 dollars américains. Fonds Petro-Caribé. Sous René Préval, Madame Pierre-Louis. OK? Deuxième résolution. C'était 10 février 2010. C'était sous administration Préval Belle-Rive, Jean-Max Belle-Rive, qui a investi sans camper l'argent dans l'immobilier en Dominicane. Jean-Max Belle-Rive. OK? Jean-Max Belle-Rive. Deuxième résolution, prend sous, toujours sous Préval, mais c'est avec un autre premier ministre qui relaie Jean-Max Belle-Rive. L'agent ça a. C'était 157 719 896 dollars point 18 centimes. T'as bien oui? Deuxième résolution qui prend l'an fonds Petro-Caribéen. C'était toujours sous administration René Préval, mais c'était avec l'autre premier ministre.
et qui relaye Jean-Max Bellerive. Première résolution, c'est préval Madame Pierre-Louis. Divivier Pierre-Louis. Deuxième résolution, c'est préval Bellerive. Et chiffre lancé, 157 719 896 $. Troisième résolution, toujours Jean-Max Bellerive Préval. C'était 23 août 2010. 23 août 2010. OK? C'était 94 597 96 $69. Quatrième résolution, c'était 11 mai 2011. Et n'a pas rappelé que Joseph Michel Martelly t'a pas le point pouvoir 14 mai 2011. N'a pas rappelé ça. 14 mai 2011 que René Préval t'a pas le remettre Joseph Michel Martelly pouvoir. Ouais Martelly, où est son président honnêtement? Si monsieur pas ouais de ces Jovenel, de ces Petro-Caribé, de ces âmes, monsieur son équipe qui plus ou moins montre que l'on n'est pas avec politicien yo. Monsieur était supposé prendre pouvoir 7 février 2011. Mais Préval bail pouvoir 14 mai 2011. Est-ce qu'on est Martelly t'a supposé remettre pouvoir sous 5 ans? Monsieur pas fait toutes 5 ans. Monsieur pas fait toutes 5 ans, monsieur remettre pouvoir depuis en février. OK? En avance. Et oui, février 2016, justement. Quatrième résolution prend 11 mai 2011. Et chiffre lancé était 95 923 836 $.14. Cinquième résolution. C'était sous Martelly Koni. OK? Ça, c'est là. OK. Ça c'est là Gary Koni t'a pas commencé. Voilà. Premier résolution, je suis capable de dire premier résolution qu'a prend sous Joseph Michel Martelly. C'était 24 février 2012. C'était ça. 24 février 2012. Ça c'est là nèg t'a pas commencé pour faire Martelly, vous commencez voler l'argent du Caraïbe. Et c'est là nèg riche pour tout bon. Et même mon papillon, même mon pipi qui de notre qui de Martelly riche. Même mon pipi qui de Joseph Michel Martelly, eh bien, riche complètement. Et première résolution, on t'a pas le prend sous Gary Koni. Mais c'est après le premier pigou l'argent. Combien chiffre l'en est? Alors, permettez-moi de saluer nous tout d'abord avant que Malba nous chiffre ça qui décaissait sous Gary Koni. Gary Koni, où existait? Et où c'est actuel premier ministre qui lève 7 traites plus 2 traites, fait 9 traites là, ou capable, ou gen droit de réponse, ou capable de briller pour que vous capable de clarifier ça. Et Gary Koni. Première résolution qui prend sous Joseph Michel Martelly, c'était 24 février 2012. Chiffre là, c'était 210 303 222.78 $. Ça va bien, oui? 210 303 222.68 $. Première résolution qui prend sous administration Martelly Koni. Ça des premiers l'argent, oui? 210 millions de $ américains. Monsieur, nous avons dit ça, nous voulons. En Dominicani, gagne corruption. Gagne corruption, gagne voleur dans l'État. Et ceci l'a fait depuis 20 années de manière sauvage dans l'État dominicain. Les cap riches sous l'État, les qui étaient pauvres, qui entrent dans l'État qui viennent riches. Et mes Dominicains, ils ont une fond façon tout, ça qui est différent. Tout le monde sa yo, qui boute cob dans l'État dominicain, ils investissent tout l'argent. Tout l'argent, vraiment tout l'argent, en Dominicanie. Que ce soit business qui vous fait, vous rentrez dans business machine,
Dominique remet ça en pile et fait une constitution des machines, collection voiture, gros bagay et gagne tout qui investit dans immobilier, construit en pile appartement. OK, elle construit des belles chaînes d'hôtels en Dominicanie, mais c'est toujours en Dominicanie que investissement ça au fait. C'est ça qu'on doit connaître. Maintenant on avance. Première résolution on prend sous Joseph Michel Matéli. Alors première résolution que Matéli prend, c'était sous Gary Conny. Comme là c'était 210 303 222 $68. C'était 24 février 2012. Première résolution on prend. Mais Gary Conny, monsieur fait 4 mois comme premier ministre. 4 mois comme premier ministre. OK, pendant 4 mois, il y a 210 303 222 $ qui décaissé sous Gary Conny. Sûrement, c'est sous l'agence ça qui cause et la justice mettez. Voilà, nous à okay. Excel. Et on mettez Gary Conny sur l'écran, voilà. Sûrement, c'est l'agence ça qui fait que la justice haïtienne te mette mandat derrière Gary Conny. Maintenant, on avance dans gros lot, toujours sous administration Joseph Michel Matéli. Et sur la dernière résolution que l'équipe Préval là fait, c'est 3 jours avant que vous remettez Matéli pouvoir, que vous n'avez pas supposé faire. Parce que vous n'avez pas oublié, vous président élu, et l'équipe qui l'a, c'est une équipe qui a fait, qui l'a pour passer son pouvoir. Nous n'avez pas supposé décaisser l'argent. Mais vous décaissez le dernier gros coblan, c'était en février 2000, en mai 2011. 11 mai 2011, que l'équipe Préval a décaissé 95 923 836.14 $. Et Matéli pral décaissé premier go koblis en 2012. 14 février 2012. 14 février, Matéli t'a pas choqué. Ah, monsieur Daval, non, 24 février, voilà. 24 février. 24 février, monsieur de 14, n'a pas dit Matéli t'a pas lâché chocolat pour mesdames Nio, parce qu'on est au grand pile boubout. Et grand pile ménage, ben ça. On compte pour me saluer nous, m'a dit non kembe là, pas la gue. Et Koblan c'était 210 303 222 $68. Voilà. Sixième résolution. C'était sous Joseph Michel Matéli et puis ancien premier ministre Laurent Lamothe. Aïe aïe. 16 juillet 2012. Premier décaissement sous la motte, c'était 96 195 625.80 $. Premier décaissement qui fait sous la motte. Sixième résolution. Ça gros causé. Et septième résolution. Toujours Matéli la motte. 21 décembre 2012. Gros bout de tonton résolution. Gros bout de tonton décaissement. C'était 329 386 735.05 $ américains. Sous administration Matéli Lamothe. Et huitième résolution, toujours sous Matéli Lamothe. C'était 184 517 228.97 $ américains. $97. Neuvième résolution, toujours Matéli Lamothe. C'est 23 juillet 2014. Et puis Lamothe t'a pral aller. 14 décembre 2014. On avance. 23 juillet 2014. Matéli Lamothe encore une fois. Décaissé 71 215 839.30 $. Sous la mode toujours. 23 juillet 2014.
10e résolution, toujours sous Laurent Lamothe. C'est le 10 septembre 2014. Dès que je pense ça, c'était 7 millions de dollars américains. 7 millions de dollars américains. 11e résolution. C'était sous. Alors, pas oublier, dernière résolution que Lamothe fait, c'était 10 septembre 2014, mais Lamothe tape le tombé. N'a pas rappelé, Gang Galilan. Équipe Sofia Matéli, qui n'a pas Matéli, équipe Dimitri Voblat dit que faut qu'il révoque Lamothe et n'a pas mis poids dans la balance. Et qui conseille Rémi vient joindre l'opposition politique Dimitri Voblat, vient combattre Lamothe ce pouvoir. Pendant que y a eu des chambardements total pour Matéli aller, pour Lamothe aller, eh bien, drôle de coïncidence, c'est garder négociation, garder ouais. Qui conseille Rémi, non, mi temps, il a parlé même parole. Et puis, qui parle qu'a parlé, il a mis Matéli à de côté, il prend Laurent Lamothe. Je dis c'est Laurent Lamothe qui problème là. Mais ça qu'il faut connaître Laurent Lamothe problème là. C'est parce que Laurent Lamothe a prôné aux affaires courant 24 sur 24. Mais ça qu'a Haïti a. Et courant 24 sur 24, j'étais premier ministre. Courant 24 sur 24, tout est président. Bravo Dimitri Vob. Garçon canson. Bravo. Un jour fait la tombe dans de l'eau. Et bien, je sale pourri. Bat chien, nous mettons tant de mètres. Quitte Gary Koni sur l'écran, c'est le premier ministre pour le moment. Et dans coulève 7 traites, plus 2 traites, fait 9 traites là. Et n'a pas le parler de lui. Parce que lui est important, il y a des fonds à aller sous lui. Mais c'est pour montrer. Et nous prenons le calcul général ensemble avant. Calcul total. Et première résolution qui prend sous Matéli Paul, qui c'est Evans Paul Kaplim, c'était et 15 avril 2015. Premier décaissement, Evans Paul. Fait dans l'agent Fonds Petro-Caribé avec Matéli, c'était 254,423,560 dollars américains. Matéli Paul. Matéli était. Alors, Evans Paul, elle était premier monté comme premier ministre, selon toute information que nous gagnons. Il faut me connaître que c'était 6,000 dollars américains sur 40 li. En dollars. À 40 dollars li, la Unibank. Et à 40 goudlan, on crase monnaie. Matéli ouais ça et Matéli décide pour le passons un petit monnaie sous et l'argent qui a rentré dans sac du riz bagaille dans douane nan, et puis pour te faire monsieur Gonkob. Matéli pas pas faut Gonkob. Parce que Matéli volume cob que la prend sous bon côté l'ou pas Gonkob la fou frustré. Matéli fait Evans Paul contre Jean pour que li fait cob. Et Evans Paul riche non pas dire vrai. Premier décaissement que Evans Paul prend tout riche là-dedans c'était 254,423,560 dollars américains. Premier décaissement qui fait sous Evans Paul. Est-ce que dans la résolution ça qui prend là, est-ce que nous tendez aujourd'hui et gagnez un américain qui te fait décaissement là? Est-ce que un américain qui ministre? Est-ce que un américain qui directeur général? Alors on l'aime dire un américain. Yon en blanc, j'en dis blanc, blanc tout le temps, blanc américain. Bill Clinton, Barack Obama, et puis Hillary Clinton, et comment t'es capable de dire ça, Donald Trump, et puis et Madame Kamala Harris, est-ce que vous comprenez Zamab Jolan, et Barack Obama, Michelle Obama, est-ce que vous comprenez, est-ce que nous, moun sa yo là, nous cité? Non. Mais pour qui ça, c'est yo? Parce que, en premier, nous pas voulons responsabiliser groupe volant directement kap fout dès que c'est l'agence yo pour craser le pays. Là, on a plus de responsabiliser yo. C'est plus. Yo même tout, y a orienté l'opinion, fait nous parler de monde. Alors, fait nous continuer battre ce qu'elle là, ou bien tout battre ça par là, pour nous continuer quitter, ça pour nous quitter ya. Moi-même, j'aime toujours dire, n'est-ce pas capable de dérouter, n'est-ce pas capable de bomber ça pour me dire, n'est-ce pas capable de dire ça pour me dire. Vous comprenez? Evans Paul Kaplim, nous connaissons qui t'a prôné toute qualité bagarre dans le pays ya. Pas un nèg, pas un militaire plus sérieux parce que Evans Paul. Evans Paul, oui. Qui est de Aristide Rivé, côté Rivé, qui est de GT Aristide, tout bagaille. Evans Paul, oui. Qui gros militant devant l'éternel. Qui dans toute radio parle, pas comme si c'est plus gros analyste politique, c'est plus gros expert dans les affaires politiques. Mais pour qui résultat? Pour Haïti crasé, démoli, dépatcha, instabilisé, généralisé, gang tout partout en 2024. C'est pour ça au travail. Ça veut dire que toute madre politique là, toute capacité que vous gagnez dans les affaires politiques, c'est pour Haïti que nous gagnons là. À quoi ça sert?
Pour qui ça? À qui ça ça servi? Pour qui résultat? Pour Haïti que diaspora haïtienne pas qu'à rentrer. Pour Haïti que petit pas qu'à marcher là-dedans. Pour Haïti que on monde pas qu'à sauter qu'on arrive pour dire que m'a prendre pas de président de 7 ans encore. Never. Il va faire fête encore parce que depuis dans la tribunité gang n'a pas dans débatchal. Gang n'a pas dans débatchal. Et ben m'a dit nous que Evans Paul c'est un volo l'argent fond Pedro Caribe. Et c'était gros l'argent. 254,423,560 dollars américains. Deuxième résolution qui prend sous Evans Paul toujours. Aïe. C'est le 22 juillet, pas oublié, non? 15 août. Et 15 avril 2015, première résolution prend. Il n'y a pas qu'à attendre encore. 22 juillet, il y a le pont l'autre, 2015 toujours, oui, il y a le pont l'autre résolution. C'était 180. Et 13 millions 55 800 alors et 55 854 dollars américains. Evans Paul toujours. Et dernière résolution que nous pral prend c'était 5 janvier 2016. Mais par conséquent, m'a délégué pour le remettre pouvoir 7 février 2016. Donc à comprendre ça ça veut dire. Et avec Evans Paul, Matéli décaissé 58 169 108 dollars américains, peuple haïtien. Evans Paul, Kaplim, Joseph Michel Matéli. Evans Paul a trois résolutions qui prend sous administration. Là. Et Jocelyne Privé est rentré en 2016. Pabli, elle prend pouvoir 7 février 2016. Nan men Joseph Michel Matéli. Jocelyne Privé rive, li jwenn krasé bak yon kakara. Ki se 33 268 729 dollars américains. Jocelyne Privé pa katann. Depuis 28 septembre 2016, Jocelyne Privé, Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, équipe Préval, décide pour que yon pote bourré et yon prenti kakara sa krasé bak sa. Yo tout pren, yo séparé en miettes morceaux sans que yo pa fanye ensemble avec. Yo séparé. Chaque nèg fou on parti dans bout de sac. 33 268 729 dollars américains. Voilà. Maintenant, on nous fait ce calcul sur l'argent qui décaissé sous chaque administration yo. M'estimer que n'a comprendre ensemble avec moi. Et exercice ça yo bon parce que nous aider ou comprendre l'argent que nèg yo décide voler, c'est lui-même qui mène Haïti dans l'état qu'il trouve là. Premier décaissement, 10 septembre 2008, sous administration Préval, Madame Divivier Pierre-Louis, c'était, et naturellement, 197 millions de dollars américains. En nous font calcul, alors, sous Préval, combien comme qui décaissait? Et première, bon, première résolution, deuxième, troisième, quatrième, et résolution. Préval te gen 4 résolutions qui prend soulé. Si gen plus, n'a va rectifier ça tout à l'heure. Et on a les sous administration Préval. Premier chiffre. Et c'est 197 millions. 719 000. Et bon, mettez téléphone comme ça. Vous connaissez gros chiffre dans palé. 896. Et 896 dollars. Et plus, deuxième résolution, et qu'elle prend sous Jean-Baptiste Belrive, c'est les 157 millions. 157, mais d'accord, pour bon Dieu, nos pays. 157 millions, 719 000, 19 000, et 896. Cent cinquante-sept et sept cent dix-neuf huit cent quatre-vingt-seize point dix-huit. OK. Et
n'a pas avancé. Plus. OK. Toujours sous René Brival. Troisième résolution. 23 août 2010. C'était 94 millions. Voilà. 94 millions. Voilà. Pascal, OK. Pascal, on va le monter. Là, bam, tout mettre en l'air. On va tout rentrer dans cet exercice ensemble avec moi. Et bam, tout prend Pascal. En attendant, nous intégrer Pascal. Bam, moi, et tout avancer ça pour Pascal gagne idée de exactement ça n'a pas parlé. Voilà. Pascal n'a pas parlé de résolution qui prend en fond et Petro-Caribé. N'a tout intégré là-dedans. On va attendre lui. Après, on va faire, on va gagner une réaction. Quitte à m'avancer toujours sous Chifio. Et puis, pour avancer sous Gary Koni. Parce que n'a pas parlé de si Gary Koni vient là, et nous l'avons cité déjà dans le pays, hein. Il était gagné mandat d'elle et il était passé 4 mois comme premier ministre. Il était gagné résolution qui était de prendre l'enfant Petro-Caribé et déjà. Il faut que le peuple la connaît qui raison, qui cause. Il était mettre mandat d'elle, Gary Koni. Permettez-moi de finir ça avec ça, Pascal. Et puis par la suite, ou même, on va le prendre dans le cadre de ça tout d'abord. Et puis tout l'autre point que vous pouvez aborder dans le cadre d'émission ça. Maintenant, en avance. Et troisième résolution qui prend sur René Brival. C'était 94 millions de dollars américains. 94 millions. Et 94 millions 9 alors 597 000 et 836.14 et non bah non 97.69 voilà 97.69 voilà et quatrième résolution qui prend sous René Préval toujours, Préval Belle-Rive, c'était 95 923 836.14. Plus. Et voilà. Quatrième résolution Préval, nous finissons là. Mais n'a pas avancé. Maintenant, avec résolution Matéli et Gary Koni. Voilà, Gary Koni, mais qui côté non pour le premier cité. Et c'est dans une plus grosse résolution. Yo. Et résolution, ça te prend 24 février 2012. Pabli Matéli monté 14 mai 2011. Et Matéli, tu as commencé à fouiller maintenant Petro-Caribéen. Bien fond, c'était avec un plus gros chiffre. Et qui Préval, pas de jambe de qui est arrivé. C'était 210 303 222.68. En avance, toujours, n'a plus que toujours. Pardon. Et Gary Koni, 210 303 222.68. Voilà, on va avancer. Et deuxième résolution qui prend sous Matéli, c'était Matéli Lamotte, parce que pas oublier, Gary Koni fait 4 mois seulement comme premier ministre. Et résolution qui Matéli prend avec Lamotte, c'était 16 juillet 2012. Pas oublier, Matéli commence à décaisser 24 février 2012, là il commence, là il recommence encore avec l'autre et premier ministre qui était ministre affaires étrangères qui vient premier ministre qui en même temps premier ministre affaires étrangères, Laurent Lamotte. Et pour une résolution qui prend sous Matéli Lamotte, c'était 96 695 et 625.80. Plus, en avancé. Et troisième résolution que Matéli prend, toujours sous Lamotte, c'était 21 décembre 2012. Et c'était plus gros résolution qui prend dans le cadre de l'agent Fonds Petro-Caribéen. Premier, gros bout de toton résolution. Chiffre, c'était 329 millions de dollars américains. 329 millions. Et 329 386 735.05.
toujours sur ma télé. Quatrième résolution sur Joseph Michel Martelly et septième résolution générale dans le cadre de l'agent Petro-Caribéa. C'était 11 décembre 2013. Chiffre, c'était 184 millions. 517,228,97. Toujours sur ma télé. L'autre résolution sur ma télé toujours, c'était 29 juillet, c'était ma télé la mode toujours, ma télé la mode toujours. C'était 23 juillet 2014. Résolution interprétable, chiffre, c'était 71 millions 215 839 dollars. Point 30. On avance toujours. Et résolution toujours sur Matéli Lamotte, c'est le 10 septembre 2014. Pas oublier Lamotte pour le tomber 14 décembre 2014. Eh bien, dernière résolution que Lamotte a pris le prend. C'était 7 millions de dollars. 7 millions de dollars. Voilà, Lamotte finit là. Kounya Matéli pour faire transition de Matéli de Lamotte à Evans Paul. Evans Paul qui, dès que c'est un plus gros chiffre que même René Préval, Belle Rive pas avec Vivier pas de guetant décaissé dans la Jouette de Caribéa. Qui chiffre l'été? Evans Paul Matéli. C'était 15 avril 2015. Chiffre l'ancêtre, c'était 254 millions. Ok? 254 millions. Sami, pays, attendez, oui. 254 millions. 423 000 et 560 dollars. Plus, deuxième résolution, toujours Matéli Paul, Evans Paul Kaplim, c'était, gros chiffre toujours, oui, 193 millions. Ça va, mais attendez, oui, papa ici, et pas mon café, oui. Et 193 millions et 55 000 824 dollars point 55 824 dollars point 55 Et voilà, 55. Toujours, Evans Paul dit Kaplim. Troisième résolution, Evans Paul Kaplim toujours. C'était 5 janvier 2016. Pas oublier, Matéli pour remettre pouvoir, 7 février 2016. Yon mois avant, Matt Evans Paul Kaplim décaissé 58 millions. OK? 58 millions. Et 169 000 et 108 dollars américains. OK. Américains. Et puis, Evans Paul Kaplim finit 5 janvier 2016 avec résolution 58 millions, 169 000, 800 et alors 108 dollars américains. Et 14e résolution et dernière résolution, et peut-être si il y a plus, n'a pas connaît, c'était résolution qui prend sous Jocelyn Brivère en 2000,
et 16 toujours. Justin Privé fait monter. Justin Privé Enex Jean-Charles. Et nèg yo joine au Kakaran. Yo joine dans caisse là gagne rete 33 millions mais pas oublier non. Justin Privé était toujours dans Petro-Caribé avec René Brival. D'accord? C'est élément c'est équipe là. Et a gagoté Petro-Caribé non avec l'argent sur dans bail sur Geneto. On avance. Dernière résolution, hein? C'est Justin Privé qui te prend. L'a fait monter, monsieur monté et 16 et alors 7 février 2016 et puis monsieur Dabal prend première résolution li 28 septembre 2016. Dimitri va pas de Katan. Il va pas de Katan. Et comme l'an c'était 33 millions. OK. 33 millions 268 000 et 729 dollars américains. Voilà. Et au total, chiffre ça que m'gè devant là pour l'agent fonds Petro-Caribéen. Si gen de l'autre résolution, alors m'gè un monde que m'écrit qui a voyé tout et document au point net. Si gen résolution qui pas intégré dans ça, mais sauf que chiffre là au total, l'agent fonds Petro-Caribé sous et calcul que me fait là, li ba un total de 1 milliard 983 millions. Alors ma pap dit nous 1 milliard 983 million 496 599 et $96 américains. D'accord? C'était l'agent ça qui décaissait. Mais mes amis, soyons sérieux. Là n'a pas de 1 milliard 900 combien mille dollars millions de dollars américains. L'agent ça elle pas son côté, il a quitté trace. Et pour l'agent qui a pas son côté, qui a quitté, que vous pensez qu'il a quitté trace. C'est gros l'argent. C'est gros bout de tonton cob. Nous pral parler de lui. N'a tout intégré Pascal, n'a tout monté avec Pascal non et parti ça. Pascal est-ce qu'on l'a avec nous? Voilà. Et t'as le bon metto en net. Voilà. Et nous pral qui Pascal ensemble avec nous, nous pral faire calcul ça et qui est intéressant, qui est extrêmement intéressant, nous pral faire avec Pascal parce que faut que nous parler ça pour pays. Voilà. Pascal Kounia là tout qu'on attendait ou et où t'attendez nous Pascal? Voilà, vous t'entendez nous. Et maintenant, nous prenons, nous connaissons des points qui vous prenons aborder, mais naturellement, il y a un dossier qui est d'actualité, qui c'est, et collègue 7 traites, plus des traites qui fait 9 traites, qui choisit, qui finalement dit que c'est yo. Tenez bien, oui? Yo dit c'est yo même spécialement, qui choisit docteur Gary Kony comme premier ministre, qui vous venez diriger, et pouvoir, et gouvernement, et collègue 7 traites là. Yo dit c'est yo même, oui? Nous parlons de lui, Pascal. Nous parlons de lui, aller de lui. Mais Pascal, nous avons parlé de l'agent fonds Petro-Caribé. Il faut calculer avec plusieurs résolutions que je viens qui va en total de 1 milliard 983 millions 417 000 et combien dollars américains, Pascal. Et où t'es dans le pays, l'agent ça passe dans le pays, où avez une idée de ça l'agent ça capable de faire. Et comment nous, Pascal, bienvenue, frère. C'est un plaisir pour nous. Et moi salue Roberto, nous saluons tous les fidèles de notre bon. Et l'agent ça a son l'agent qui est M. Damio, qui était sous pouvoir, sorti sous René Préval, vivé sous Joseph Miver, qui a gagoté. L'agent a déchabillé lui, il a pris lui, bon, il a éclaté personnel. Comme ça, c'est comme ça. En pile, non, yo prend, y a investi et la Caraïbe et Dominicain. Parce que ces derniers temps là, et Haïti investit en pile. On a questionné peut-être nos picotés de l'argent ça. Et bien c'est l'argent qui est volé dans le trésor public là. Parce que c'était un complot bien monté et pour y être gagoté l'argent ça. Parce que il y a pas un m'appelle pour nous. Et élection qui menait Michel Joseph Martelly dans le pouvoir, parce que tout le monde connaît comment Martelly fait arriver président. Parce que dans la première tour élection, Martelly, nous avons 105e position qu'il et voilà. Et Pascal Guéanti, copie la dernière. Par contre, si Pascal toujours là avec moi. Voilà, Pascal, connexion a tombé. Si vous tendez nous,
et font-y déplacer ou bien tout fermer relayer encore parce que émission ça extrêmement important pour que nous pas alors pour passer très très bien pour que et public capable d'entendre et Pascal soit avancé qu'on a fait dans quatre dossiers fond Petro-Caribé et qui et des résolutions qui prend sous plusieurs administrations d'accord et faut que nous connaît et implication qui ça qui cause yote mette mandat derrière et Gary Koni d'accord ça li important nous pral aller faut que nous battre pour nous gagner Pascal et pour nous entendre très bien mais nous connaît en Haïti gagne un problème connexion internet gagne problème internet vraiment nous pral ouest si nous ta et joindre Pascal d'accord et nous pral ouest si nous ta joindre Pascal et t'as semblé connexion un petit genre difficile Pascal après les noms mais après le tout mais nous pas et gain facilité pour que nous remonter avec Pascal genre que ça te fait tout à l'heure et peuple haïtien non vraiment apprécier suivre et toujours pas oublier et nous ensemble avec vous et alors son plaisir pour nous ensemble avec aujourd'hui voilà Pascal il était coupé reprend pour nous Pascal sur point que tu as avancé là. Oui, bon, sur question de Gargote et l'agent Petro-Caribé, qui est négatif, qui est sous le pouvoir, sorti sous René Béval, rivé sous Justin Bivin, qui est une unité de tête ensemble, il a gargoté une quantité d'argent. Parce que l'agent Petro-Caribé a commencé à gargoter sous René Béval. Parce que le premier corps qui gargoté là-dedans, c'est 197 millions. Et qui est débloqué dans quatre programmes fonds d'urgence avec Michel Duvier et lui. Bon. Et après ça, il a débloqué après 12 janvier tout. Bon. Mais gros morceau qui déqueste dans la chambre de Caribéen, c'est sous Joseph Michel Mapé. Bon. Faut regarder l'élection Joseph Michel Mapé, comment il s'est fait arriver dans cette pays. Très bien. Michel Joseph Mapé est arrivé dans cette pays. Ça fait complicité États-Unis. Bon, on dit et démocratie. Parce que tout le monde connaît qui jouait pour matérialiser notre pays. C'était Hillary Clinton et Bill Clinton. Pour nous plus précis, Obama. Pascal, pour nous plus clair, n'a pas dit avec des politiciens américains et qui n'ont parti politique qui est les démocrates là. D'accord? Oui. Oui, c'est parce que là nous dit Amérique, là nous dit États-Unis, nous censé généraliser, nous mettez tout américain. Non, ça fait préciser, me dit avec démocratie. Très bien. Parti démocrate parce que c'est des gros barons et la partie démocrate là qui a couché Joseph Michel Martelly et en Amérique. C'est une élection qui était faite qui René Préval qui fait. Michel Joseph Martelly qui est sorti et peut-être en cinquième position. En cinquième. Bon, oui. Cinquième position. Avez-vous êtes capable de comprendre? Vous capable de comprendre? Pour moi, oui, mon petit motion d'ordre. On a qui sorti, on a qui en cinquième, comment le faire vivre en deuxième? Ça a plus que grave, oui, Pascal. Non, il vit en deuxième. Parce que, René Préval, là, c'est démagogie qu'il a fait. Démagogue. Parce que c'est théâtre qu'il a fait dans l'élection, parce qu'il n'en tête pas, c'était comment rafler l'élection. Pour te assurer lui, c'est lui toujours là. A puis sortant de la bagarre la partie dans même, en puis blanc lui même lui pour lui et démocratie, yo pas bagarre là dans même, yo ban nous Michel Martelly. Mais faut me questionner qu'est-ce que fait Michel Martelly de choisir? Là plus là. C'est parce que Martelly c'est un nèg qui a gain contrôle lui. Martelly c'est petit yo lié et Martelly yo connaît Martelly gain grain zano la caillou. Eh bien, comme pays ça a toujours dit, il y a bail aide avec Haïti, et aide yon bail avec Haïti, yon bail jamais fait rien en d'un pays. On y a, le regardé, yon wè, nan coopération, Venezuela gen nan question de pétrole, ça veut dire, ou permettre nous jouen pétrole, et pour nous jouen l'argent tout, pour nous développer pays, yon wè si l'argent, son pétrole de ça, li, chef de bagan de pays, y a paret, pile l'aide que j'ai au l'aide là. Dans le dossier Haïti. Eh bien, yo a les matériels là, yo dit, comme yo connaît matériels, ils sont juste liés, matériels sont déclarés à gauche, ils se volent,
Yo mette la, puis Matéli, et mette tête li ensemble avec politiciens traditionnels de Cali, parce que Matéli pas manger comme la boucole. Non, oh, Pascal, nous tapons méchants, puis nous n'avons que pour nous dire Matéli pour comme ça vous compte li. Et m'appuie tout ça très bien. Non, Matéli. Où ça passe? C'est nègre qui viendra aller Matéli dans le vol, même oui? Il aura aller, monsieur, dans le vol, oui? Non. Monsieur, prends le temps pour le rentrer dans le Petit-Caribé, hein? C'est Laval, là, c'est quelle classe politique, même oui? Non, Matéli était déjà volé, déjà, oui. Oui. Dans l'État, n'a pas dans l'État. Comment pour le décaisser l'argent, pour le voir là, c'est au contraire. Parce que, en réalité, de qui est coupé autour de Matéli, c'est un paquet de nègres qui a fait et c'est autour de nègres. Oh, parce que, il y a et Matéli fait une campagne électorale en petit diplôme. Bon, qui est-ce qu'elle aide Matéli? Gagoter l'argent de Caraïbes, aller aide Matéli, craser le pays. C'est pas nègres qui a un diplôme. Justement, oh, nèg ap doupi bel tèt yo, nèg ki bibi formé yo, ezo wan zanm djola, sa grave ou met la. C'est des belles têtes, tout kalide Matéli gagote l'argent. Ben nèg yo, yo prend l'argent, yo gagote l, et tout moun kawè que l'argent pa réglé anyen parce que si l'argent tèt au Caraïbes a fait son minimum dans le pays, je dis à nous, pas d'ap kote nye la. Même dans le cadre programme, parce que moi même pas d'accord, on parle de programme apaisement social. Programme apaisement social, c'est des programmes sous moulage, c'est des bagages pour les gens. Pour faire corruption. Corruption. Si tu as des véritables programmes d'inclusion sociale qui fait avec l'argent, Petro-Caribe, ça, je dis à la quantité de groupes armés, nous gagnons. Nous ne pas gagner. Nous ne pas gagner. Nous ne pas gagner le pays. Parce que tu as gagné pour te construire l'école, l'école professionnelle, et pour te accompagner même quand vivre. Dans la catégorie populaire, ça veut dire pour te porter service de base du bail. Parce que ça n'est là, c'est parce que l'État n'a pas de jambes pour porter un et moun sa qui dans une zone défavorisée. Parce que c'est des zones que l'État a été abandonné. Et puis pendant que vous avez un gros l'argent qui a brassé sous nos moun sa yo. En gade, je dis à la fin, gade, nous avons des petits moun qui des âmes. Non, mais c'est pas yo pas de l'école, non? Mais c'est parce que yo pas de jeune opportunité. Ya. Justement. Très bien. Où avez-vous, Pascal? Pour la et bien, il y a gagoté l'argent. Et qui a fait l'argent gagoté? C'est parce que l'institution de contrôle qui est là, c'est des institutions qui sont capables de sortir dans un modèle. Et occidental là. Et qui n'a pas vraiment fait prévention et répression contre la corruption. Parce que la corruption n'est pas seulement là pour faire audit l'index qui est l'argent, ni ULCC, non. Il y a là pour faire prévention. Bon, il va jamais faire prévention. Et l'on garde des parlements tout. Parce que nous n'avons pas négligé les parlementaires. T'es là. Mais ça veut dire les parlementaires, c'est le rôle. PSP. Parce que qui rôle le parlement vient à contrôler? Et action gouvernement. Bon, c'est eux qui mettent tête ensemble avec et avec Matéli, gagoter l'argent dans le programme Sugo, qui était une catastrophe dans le programme de la 50. C'est pas seulement Petro-Caribe, non, il y a une question de la 50. Bon, on connaît aujourd'hui, on a toujours à parler dans la radio, comme quoi c'est bon mounier. C'est monsieur qui a dirigé Bagayou, les PSPA. Et Abel de Colline. Abel de Colline, l'offre. Parce que, on regarde, je veux dire là, nous avons fait tout l'argent, ça. Qui ça fait ou qu'on est au paisible dans le pays comme ça? C'est parce que la Cour des comptes a fait travailler tout. La Cour des comptes, il était contenté seulement, fait un document politique. Document politique, justement. Pour débailler comme outil pour lui, président Jovenel Moïse. Non, il est clair, oui. Pas de doute dans ça, non? On regarde, la Cour des comptes, l'Elfin fait audit sous gestion. Et ministre, directeur général, premier ministre. Qui ça vient pour faire? C'est soit les sorties, arrêt de quitus là, ou bien arrêt de débat.
Arrêt de débat, justement. Qu'est-ce que ça arrête de quitter cela? Il dit, est-ce que vous êtes bien dépensé l'argent, l'État? Ça veut dire, ou pas se faire fraude dans l'argent, l'État, pas de fouer mon. C'est ça, arrête de quitter cela. Laisse ça, je dis, ou clean. Justement. Arrêt de débat, il dit, ou t'es mal dépensé l'argent, l'État. Et depuis, il y a arrêt de débat qui sortit contre le monde, il y a arrêté. C'est là où le problème est là. Mais maintenant, il faut être tout le monde dans la rue. Parce que juge là, pour mener le dossier et pour la justice, et je ne vais pas dire la justice, je dis, pour la justice, et croquer, et pendre l'exil, Mario, choc, la Cour des comptes est sortie, arrêt de débat avec arrêt de quittition. Ça veut dire, ne qui gagne arrêt de quittition, ne qui gagne arrêt de quittition, ou libre pour aller vaquer à l'occupation. Justement. Mais tout ne qui gagne arrêt de débat. De débats sur qui compte, ça veut dire c'est des nègres qui te doué, des deux 4 mirailles. Des deux 4 mirailles. C'est là pour nous poser problème, yo. C'est là le grave, là. Pour une solution avec yo. Et c'est là, ouais, c'est là tout l'important pour que nous tout profiter et questionner ça qui veut être au juge ou bien tout. Et bagaille ça qui instrumentalise qui est la justice, là. C'est là, Pascal. Non, nous pas comme nous venons à la justice. Nous, au niveau de la Cour des comptes. Parce que la justice pour le mal, les nègres, accent qui gagote l'argent, faut qu'il y ait un arrêt de bain. Arrêt de bain, il est clair, oui. Il dit ou mal dépensé l'argent. Place ou pas l'autre côté, c'est derrière 4 mirailles. Derrière 4 mirailles. C'est ça, oui. C'est ça, vous n'êtes pas quand même dans la justice. Non? Et bien, on regarde, je dis à la, un paquet de nègres, accent, capteurs et dans le pays, et qui capable de occuper des fonctions en dans l'État malgré. Ils ont mal dépensé l'argent, c'est parce que la Cour des comptes a un deal avec eux. Pour lui, pas faire sortir, arrêter de eux. Mais vous êtes qui dans la Cour des comptes? Pour payer toute corruption, ça là-dedans. Pour payer toute corruption, ça là-dedans. Pourtant, de tout comme ça, gagoter nos pays en imparfait. Jusqu'à présent, la Cour des comptes, pour qu'on sorte un grain arrêté de bain. Du tout, non? Le fini. Vous êtes qui dans la tête de la Cour des comptes? Ça, lui-même, c'est comme si vous avez cours à ton espace et privé pour lui. Non mais le Rogaville Boaguenia li a l'aile tourner la l'aile tourner nek ça c'est capitaine même soyez ça monsieur fait et ministre Nader Pascal ou soyez bagaille ça est-ce que soyez bagaille ça Pascal dans la Cour des comptes que soyez qui j'ai monsieur manqué assassiner ministre Nader et monsieur qui t'a tué ministre Nader pour tout bon monsieur René Grand Michel yo monsieur René Nel Cassi voye gang fantôme 69 là débarquer dans cour la patte men gang est envahi espace là ministre Nader dit la brite là et c'est les atout moi ministre Nader son qui quand son entaille tout. Monsieur préparé soldat, monsieur dit que si la pour un garçon quand son là, monsieur dans deux coulants, monsieur dans deux machines ni et monsieur dit ça qu'après la privé là. Monsieur n'a qu'au fond diversion, yo dit ministre de ville fait pression. Sous Rogaville Boaguenia pour qu'il capable bail. Ça ouais Pascal ouais paye ça monsieur. Paye ça. Et parce que qui est-ce qui te fait travailler ça encore ou joindre c'est des nèg qui des nèg ami. Qui t'a servi, et Mathieu. Non, c'était radio. C'était radio Télé Zénith, c'était Jean Monard, et puis on pas qu'être l'autre avec encore. Vous comprenez? C'était travail, mais tu as fait parce que c'est des gens qui bénéficiaient de tout vol que les oligarques ont pu faire en Abéia. Parce qu'ils vivent de statu quo. Effectivement. Et c'est ça le problème, non? Regardez, je dis à la autant de politiciens qui mêlent jusqu'au cou la question de corruption. Côté aux jeunes comme espace, tu as propre tête, c'est média. Média traditionnel. On dit média traditionnel. Il y a un gros charge, corruption, sous dos, ou bien participation dans l'autre activité criminelle. Média, pas de doué parler, non? L'oreille, les mecs comme ça, les médias, pour le défendre tête, je te dois dire non, espace, ça n'a pas tribunal. Prends un avocat à le devant tribunal. Mais qui ça n'est la fête? Il fait un deal avec vos l'État, il dit, m'bral propre ou. Et c'est travail n'est ici ça. Parce que depuis n'est la passe dans 3-4 stations dans le pays, en plus, maintenant, tu vois. Et où jouent la justice sous contrôle. Et en garde quantité n'est qui t'a doué qui est en bas de Jodia là, qui libère dans le pays. Même la question, bon, bien beaucoup de population en tout, ça ou l'eau, on sort de tolérance à cause d'éducation, peuple pas faite.
Ou pas qu'on est, n'est que communauté internationale la même pour jouer il a parlé ou la question sanction. C'est livré le délivre ben le peuple. Oh, et peuple a pas fait travail. Et peuple a pas fait travail et puis dans pays en tout pas gain justice son équipe vole bien. Bon pour le Guido Kadebeto. Bon pour le Guido, c'est un jouet qui baptise les juifs. Pendant la communauté internationale là, qui a joué avec Poulerio, peuple a fait tout profiter, tout profiter occasion ça. Tout laver, tout laver espace là. Tout laver espace là. Lorsqu'on et des pays prend décision ou dit nèg ça pas entrer la caillou parce qu'il y a un financement gang après population en camp et qu'on fait la garder. Bon. Moi dit faut qu'on continue travail là pour nous et éclairer population pour nous connaître pour population connaître les nèg yo dans l'état yo pas diriger bien privé yo et les nèg yo apprend l'argent qui dans caisse l'état pour régler d'affaires personnel yo et pour alimenter insécurité dans le pays yo doit jouer une réponse sur ça ou faire automatique yo rate occasion ça c'est grave automatiquement la justice pas fonctionner nos pays nèg yo prend la justice en otage yo kidnapper la justice et bien c'est la justice populaire c'est peuple de cracher. Malheureusement, nous avons un peuple qui n'a pas de sens de responsabilité dans votre prince. Non, c'est pas peuple qui n'a pas de sens de responsabilité. Nous ne pas faire courir la population. Il faut regarder qui raison fait peuple n'a pas de responsabilité les gens. On ne peut pas faire peuple pour qu'on soit capable de prendre responsabilité. C'est parce que nous avons contrôlé ça au lot et tout espace qui a doué calécher la population. On regarde les médias. Qui a besoin de travail d'éducation pour montrer le peuple là, les on est occupant fonction dans l'État, les c'est employé peuple là. Et les aussi employé et on gère l'argent peuple là. Où doué, la question de réduction compte là, où doué rendre compte avec la soie. Pascal, où est-ce que les médias traditionnels là? Parce que je m'abdou ça très bien. Mais yo contribuer dans tout sens, c'est planifié Pascal, c'est pas comme si au hasard non, yo planifié même pour aider politiciens avec oligarques, avec blanc cap détruit pays, Pascal, blanc cap deal avec même tout ça très bien. Pascal, un groupe de blancs. Qui clair, c'est américain que lié. Yo deal avec Lavalas et au comportement Lavalasien, Aristide là. Pascal, yo fait l'argent seulement en Haïti, mais ouais pour que haïtien ralent souffre en Haïti, ça pas exister. Mais par conséquent, Pascal toujours dit si en dan pa bay de yo pa ka pran. Parce que si yo fait si yo capable faire 38 l'année ou bien 30 l'année avec même comportement ça Pascal, c'est parce que nous haïtiens nous tolérer politiciens qui ont un comportement criminel ça en dan pays hein qui fait politique depuis 30 l'année dans pays. Et Pascal, c'est ça qui cause nèg détruit Haïti Pascal, c'est grave vous mettre là. Mon pays Pascal qui était propre, pour que c'était vivable Pascal. On regarde l'image Haïti en 1985, 83, 82, 81 Pascal, 81, 82, comme si 76 Pascal. T'es en Haïti, t'es en pays oui. Touristes qu'on est rentré Pascal. Mais les coups détruit pays Pascal, mais c'est après 1900, après le premier coup d'État Aristide Pascal. Ils commencent à détruire Haïti net oui. Mon capable dit fini avec Haïti net, c'est en 1994 Pascal. Ils commencent à détruire Haïti net on est hein. Ah monsieur. Eh bien. Et Bill Clinton reconnaît ça le fait hier. N'a rentré avec Jean-Bertrand Aristide en 1994 parce que avec toutes les villes plus passé 20 000 mérites américains qui deal qu'il était fait pour le rentrer parce que c'est deal qu'il était fait pour le rentrer. Oui, les Aristide dit faut-il des zones, oui, il faut-il des zones, mais pas j'aime capable de dire ce qui des zones. Non, monsieur Clark Nation, c'est monsieur Clark pour le dire. Il te fait deal avec Mounio pour l'entrée. Oh. Et c'est deal ça qu'il te fait avec les Américains, avec le gouvernement et Clinton, non? C'est un des mauvais deals qui mettait de côté Nyerodia là. Aïe, 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 Pascal. Et bataille pour mener pour sortir là, je vous dis là, c'est bataille, je dis à nous, retirer la vie du monde. La politique traditionnelle a décalé ça. Oui, c'est clair. Avec tout et papa yo. Oligarque corrompu. Dans le secteur économique là, ça veut dire oligarque corrompu. Parce que tout temps présence nous ça en dans pays Haïti parce qu'on n'est pas. Jamais Pascal. Yo même yo pas dit que son pays dans tête yo. Même dans rêve. C'est des monde qui font tant seulement
et contrôler l'espace là pour tel l'argent. Si elle te dit que ce pays, on va essayer de déstabiliser, on va déstabiliser le pays. Et dans l'intérêt qui est, dans l'intérêt et communauté internationale mafia. Après, c'est ça qui est le plus grave là. C'est petit pays qui mettait tête avec la communauté internationale mafia pour gazer. Et ces derniers temps là, et on va regarder dans le niveau de l'arrivée là, moi-même, je dis si pas gagné, il y a un chambre de ma fête, nous pas sortir côté ni là. Parce que avec l'arrivée Gary Conny Pascal, et ça que me dit peuple, nous même qui vivons dans la diaspora, préparez-nous sans hésitation, préparez-nous sans frustration, préparez-nous clair, parce que pas de doute dans ça. Quel que soit haïtien qui vivons dans la diaspora, depuis un monde t'a tenté évoquer question bagaille double nationalité, nous mettons tout ça qui est capable mettre l'argent nous dehors pour acheter des armes nous tout pour nous battre contre nous, pour nous prendre pouvoir dans le pays d'Haïti. Sinon, nous ne sommes jamais capables de faire le pays ça. Attendez bien Pascal. Et mes amis, attendez bien, papa haïtien. Gary Conny quitte Haïti, alors fait 4 ans comme premier ministre sous Matéli, il a été ratifié tout bagay. Et puis après 4 mois, il rentre aux États-Unis. Il prend job li encore. Gros job li dans UNICEF, dans Nations Unies. Mais c'est fait tout le temps le dehors payer Pascal. Pas bien non parce que 2011 à 2024, avec monsieur qui n'est pas 13 ans dehors, mais on se comprend non. Monsieur pas jamais dans pays. Pascal, tout de coup. C'est Gary Conny qui paraît sous table comme premier ministre Pascal. Il dit son bel profil, son belle tête, son équipe éduquée, son équipe tel bagaille. Et moi-même, je dis ça très bien. Je n'ai pas de pièce problème avec Gary Conny. Je ne vais pas discuter, jouer, blablabla, parler de Gary Conny. Non. Alors, ça m'intéresse, je dis très bien. Gary Conny, son preuve à clé qui montrait que assassin criminel voyou gang qui a fait politique en Haïti, ils ont décidé de faire seul avec un petit groupe blanc qui parle de Haïti, sauté dans le tout là, pour choisir chaque grand monde qui parle de mes pays, qui n'a jamais posé une action concrète pour le pays, et qui n'a jamais posé une proposition claire pour le pays. C'est monde qui est toujours capable de prendre le gouvernement dans le cadre de transition, et même dans le gouvernement qui est capable de dire qui est démocratique, qui a même décidé de mettre. Et ça qui nous fait comprendre que chaque le peuple a campé derrière un monde, où il y a une quantité de monde qui est très puissant, camper en face moun sa automatiquement. Ce soit ou tuyel, ou bien tout ou tuyel masse pep sa, kap manifeste kap mande moun sa. Et Gary Conny tout, m'ap di pep, m'ap di jaspo aïsen nan, li sou preuve akle qui montre que ou même, ou pa dwe gen obstacle ni barricade devant ou, l'ot ava vine envi rentre nan politique. Quel que sa jan sa liye, ke ou fel, ke ou mette la constitution, ke ou mette nan loi électorale, fok ou vine candidat nan élection ki pou fèt nan pi la iti yo. Si ou evo kon bagay, di ko pa ka candidat, ko ou decide achete zam tout. Vous comprenez Pascal, acheter des armes pour aller combattre les gens. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être, comment vous comprenez? Je n'ai pas de problème avec Gary Conny, non, honnêtement. Je connais Gary Conny. Mais sauf que Gary Conny vient et 280 millions de dollars américains décaissés, il dit le vol dans le corps blanc. Et puis, pas d'explication. Juge mette mandat d'elle, pas de détails. Rentrer dans le pays, même à tout mandat, toujours en l'air, mais toujours, il vient rentrer, il prend comme premier ministre. Mais pas une personne qui a posé question. La fin de ça qui est plus grave, Pascal, même groupe qui a couru derrière en 2011, dit ce vol, dit ce date-là, c'est même Mounsa Pascal qui dit que c'est meilleur tête-là. Puis bon, Mounsa, Mounsa qui bien placé, Mounsa qui a plus bon connexion avec l'international. Mais qui est Pascal? C'est même Mounsa 2011, oui. Même classe politique-là, oui. Même secteur privé, oui. C'est eux-mêmes qui disent que c'est eux qui choisissent Gary Conny. Ça veut dire que je dis qu'il faut que le peuple comprenne très bien. Dans qui ça qui nie et qu'est-ce qui est devant nous. Mais avant que nous critiquions tout blanc, parce qu'elle toujours dit, gagne gérant pour tout bon, li fait, elle doit faire. Parce qu'elle avec comportement, monsieur, ça, elle doit faire. Pas de possibilité pour un pays, il n'a pas 45 minutes de temps pour le comportement volé, cap volé, et puis pour lui-même, tout le monde, richesse pour mettre la cali, pour le vin pour te bourrer, Pascal. Pas de question de l'amour pour le pays, pas de question de zami. C'est intérêt. Intérêt tout d'abord. La prend, pas de monde qui pose des questions, la prend pire aide Pascal. Et de fait, tu as vu une gâte.
Et ça cause le monde de bienvenue. Pour poser question, il y a quand même face li. Et faut que c'est masse peuple là définitivement qui pour masser derrière de monde ça, qui pour faire que monde ça capable comme si n'a pas tomber. Est-ce que vous comprenez ça Mathieu là? Ça veut dire que jodi hein, et exemple Gary Conian, son preuve à clair qui montre que Haïti et prend un pétrin, masse peuple là, pas qu'à sortir n'importe qui gens et seulement pour le sortir, c'est constituer véritable force là. L'union, tête ensemble et puis pour un seul objectif. Débarrasser pays hein, de toute conseil politique, de toute ravette politique, de toute chule politique, et pour nous vaisseaux oligarchio. Et à partir de maintenant, nous avons facilité pour nous capables camper, pour nous mettre belle tête vers nous, sous nous, Pascal, pour nous garder qui diplomate, qui soit américain, canadien, français, dominicain, et espagnol, ou bien quelque soit nationalité là, pour venir devant nous, pour dire nous consacrer, mais ça pour nous faire pour venir dicter nous. Le sanap connaît, mais qui blanc, Pascal Kap banou l'ordre en de pays. Mais sinon, nous pas jamais capable de sortir, Pascal, parce que si on quitte l'élément sa de pays, Kap servi groupe pour nous, parce que dans tout ça, on a parlé là. Une résolution pour Fonds Petro Caribé, qui est cité là, Joe Biden chiffre. Ou pas, ouais, yon. Ou pas, on avance Pascal. Et alors, il y a un petit problème de connexion. Et, à côté, Pascal, je vais Pascal, attendez nous. Pascal, il y a un petit problème de connexion. Bon, côté là. Je connais que. Bon, Internet, ça lui-même. Est-il bon petit temps? C'est pris, c'est prêt, le 10 soir, hein? Et puis, pour avancer. Et Pascal, si vous attendez nous, fermez et puis, remontez encore. Parce que, nous pas attendez vous. Voilà, et Pascal t'a dit non, mais nous pas attendre parce qu'on voulait une connexion. Bon côté, Pascal. Voilà, pas oublier, jeudi, non, 30 mai 2024, non, en direct ensemble à vous sur plateforme YouTube Maman Peba, plateforme YouTube Peepotea, plateforme qui pape Chaylan, plateforme Cap Dijendien, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille paysan, plateforme qui croit que c'est avec combat qu'on a mené là et qu'on est capable de mener le pays ça, et côté nous devons mener là. Et voilà, nous allons continuer, garder Sinta va. Et rejoindre Pascal qui ont si j'en paraît difficile et pour nous mais n'a PC quand même pour nous capable faire dernier point avec Pascal et voilà Pascal ou remonter ou mettre avancer oui en garde sous bagaille nomination Gary Conian bon nous pas presque parler des premiers ministres dans cas et Gary Conian bon raison fait pas parler de lui nous dit c'est un moun ke l'ONU voye vini pou vin administrer pou yo. Parce que depuis 2004, Haïti sous tutelle Nations Unies. L'éclair. Ouais, c'est ça fait. Quand pile moun kap étonné de arriver, Gary Conian, j'arrive là, je dis non, pas ka étonné. Parce que si pays a sous tutelle l'ONU lié, l'ONU doit lever, il joue avec les politiciens traditionnels de Calio parce que pour imposer nous, et Gary Conian là, c'est utiliser. Politiciens avec yo. Et politiciens traditionnels de Calio. Il montre aussi, oui. Parce que comment la grave là maintenant. Non, il y a toujours montre aussi, nous c'est pas blanc, mais c'est menti. Et puis après, parce qu'après quelques temps, qu'est-ce qu'on est pas le critiquer? Blanc, c'est eux même, oui. C'est même eux même encore, oui. Mais ça pose moins du peuple là, tu vois, manger avec ça, oui. Non, c'est même monde qui te qu'on a critiqué blanc, c'est qu'on a parlé blanc mal là, c'est eux même, je dis, qui te rentré dans CP. CP a qui CARICOM. Mais est-ce que c'est CARICOM vraiment qui monte? Non. C'est la France et États-Unis, Canada qui monte CP. Et puis, autant de oui, c'est eux même. Mais c'est pas vrai. Eh bien, depuis le où est-ce que tu es rentré dans la logique CPA, nous, tout le monde était en ouais, qui côté nous parler, c'est même monde qui était monté CPA, c'est même yo même encore, qui pourrait imposer, et yon monde qui pouvait et comme premier ministre. Et c'est ça que c'est vrai. Et ça, c'est une vie, bataille aujourd'hui à la, éliminer la classe politique traditionnelle. Parce que, ou pas qu'à mener bataille ça, avec des nègres qui, gagne un gros intérêt au la taille blanc.
Non, pas capable. Il est impossible. Vraiment impossible. Et exemple clair devant nous, Pascal. Tu as un bon intérêt ou la caille blanc. Exemple clair. Depuis blanc. Équipe, permettez-moi ajouter ça. Et Pascal, il est devant nous. Et je dis à Mabdou ça honnêtement. Et Pascal, quel que soit haïtien, Mabdou ça clair. Si tout avoir, toute richesse ou famille, c'est Canada, c'est la France, c'est États-Unis qui est lié, ou pas qu'à dirigeant dans le pays d'Haïti, Jean pour ta dirigeant. Son choix pour qu'on fait, c'est soit que vous décidez à n'importe quel moment prêt pour perdre n'importe bagaille, parce que, pas oublier, vous avez un petit blanc, vous êtes prêt pour faire n'importe pression, et vous avez très grand pouvoir, vous êtes très influent dans la politique aux États-Unis d'Amérique, et vous sous Haïti tout d'abord, sous même en tant qu'Haïtien, automatiquement vous avez des richesses de la caillou. Ça cause, depuis que vous sentez que vous n'avez pas tellement intérêt à la caillou, Pascal, vous n'avez pas tellement intérêt à ce moment-là. Et vous avez des gens qui supportent la valance depuis environ 30 années en pays. Et moi, je ne sais pas qui est-ce qui est, non, mais moi, je ne sais pas qui est, parce qu'on n'est pas égaré. On avance, Pascal. Oui, parce que je dis à la, yo mette et Gary Conny, il y a des gens qui ont reproché et des questions, Gary Conny dans la question, l'argent Petro-Caribé. Et je dis à la côté, Bernard Saint-Ville fait tout ça qu'on est là. Et il levé mandat, parce que mandat a levé. Hein, il y a eu un levé mandat là? Oh, mandat a levé longtemps depuis l'année. Depuis le moment d'aller, répétez pour moi. Tout à l'heure, Pascal, monsieur Dodd. Répétez pour moi qui juge des référés qui c'est tenez bien oui, qui c'est et me capable dire responsable. Doyen tribunal civil de Port-au-Prince. Il fait tout ça qu'on est avec un juge, il lève mandat qui gars qui connaît derrière. Dimanche que a dit na dimanche tenait derrière Gary Conny. Bon, on garde bagarre là-bas. Pascal. C'est plus gros cancer Pascal pour dans affaire justice pays d'Haïti. Et son élément, quel que soit Jean ça depuis que mon dé bien qui prend tête pays Pascal, sous toute forme, pas besoin rien, n'a que prend monsieur Panni. Prend monsieur Panni la peine de mort. Et parce que il est clair, la peine de mort est divine. La peine de mort, c'est une décision arrêtée, comme si prend pas arrêté de Dieu. Pascal, il est clair. Il y a des gens dans le pays, ça, Pascal. Ou doit exécuter yo sur les champs en dans le pays, ça, Pascal. Parce que l'on est dans la justice. Pascal, la justice, Pascal, tu vas être non, c'est lui qui fait pays, mettre là. États-Unis, s'allier là. Avec tout jeune garçon qui a valé boss, fumé ta fille, bret ta fille, prends plaisir, Pascal, n'est-ce pas du tête, yo. Si le pays, c'est pas de justice, Pascal. États-Unis, c'est un pays qui t'a éclaté déjà, oui. Par contre, tu comprends, non? Mais là, quand tu payes de quoi Haïti? Jean-Lila Pascal, 12 millions habitants. Mais ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, la Pascal, qui décide de comporter dans le niveau ça, pour faire tout ça qu'il est capable pour lui détruire le monde des biens, pour faciliter vagabond, légal, faire tout ça vous voulez devant le monde. Est-ce que vous pensez que vous avez une société, Pascal? En avance sur votre affaire, garçon. Monsieur, l'éternel. Oui, bon, depuis l'été, il était levé mandat de M. Degende là. Il y a un qui compte le voile. Et l'engagé là avec Rivé Gary Conny là ouais tout bête toute l'image commencer à féliciter arrivé monsieur. Oui, tout volé qu'a critiqué le 2011 oui, vous en ça. Je dis à eux tout bon. Oh, par contre, ça fait aborder des questions la Cour des comptes dans question. Arrêt de débat, arrêt de discussion. C'est parce que la Cour des comptes fait travail et on continue à faire travail qui fait aujourd'hui et on juge qu'a décidé de lui retirer et mandat on mandat on juge et mettez dedans tout le monde j'en ai fait là parce que n'est-ce pas toujours qui t'ont et on vide on porte des sorties pour porte des sorties pour les gars dès arrêt de bébé pas sorti juge a pas assez de matière pour le Québec, oui, non? Pour le Québec, voilà. Automatiquement, arrêtez bien, sauti, ça veut dire place, dès que ça part de l'autre côté, c'est derrière. Des 4 mirailles. 4 mirailles, c'est rentrer dans le pays. Mais vous avez facilité, monsieur, rentrer. Vous avez facilité, monsieur, rentrer pour l'hiver coquin. Non, on y a là, on a dit à qui mission, monsieur Vini. Très bien. Parce que nous, c'est les politiciens qui complotent l'île et qui font complot avec. C'est communautaire. Je viens travailler pour l'ONU. Et l'on parle de l'ONU qui est pour qu'on est caché en bas de la là, c'est États-Unis. Vous avez dit que 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 vous av
Est-ce qu'on est gars qui et si monsieur démission monsieur Bali dans UNICEF mais quoi c'est hier après-midi oui, non mais c'est pas non 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 n'est pas assuré et que la il connaît coquin n'est il connaît coquin ouais non parce que il connaît gain des nègres en dans qui gain mon dans CPA qui connaît bail coup politique là qu'on est tant pour Moïse Jean-Charles. Les gens qui ont fait un expert dans le coup politique, et bien, monsieur, prend un égo homo. Les affaires, monsieur, de dit, tout autant, pas nommé comme premier ministre, les pas quitté poste qui gagne, et dans l'ONU. Non, dans l'ONU, justement. C'est oui, parce que moi, il a lui-même, c'est puis on l'a déplacé. Parce que tout le matin, moi, il mettait Timoun Niyo à manifester. Et devant Villa Dakar là. Tout après-midi, il a manifesté, il a demandé Fritz Belizer. Mais par conséquent, Madame Moïgetan négocié avec Gary Conny. Et vers qui là avec Gary Conny. Avec Gary Conny, mais ça Pascal au courant, attendez, tant Timoun yo sort, tant yo égaré. Timoun sans visage, Timoun sans comprendre yo. Et ou pas qu'on yon nanè qui sert. M. Tigou allié pour le bail politique, ça y est, il est Claude Joseph. Bon, c'est Claude même, non, qui s'est fait la dossier. M. dit, il y en a un qui Tigou allié dans ce moment-là. Il n'a pas pensé ça, il dit c'est Claude Joseph. Pour le faire mouvement coquin, ça. Parce que nous connaissons en résumé, papa, ça, qu'est-ce qu'on est bien là. T'as bien, moi, Jean-Charles besoin de remonter aux États-Unis. T'as bien, oui, pour récupérer visa li, parce que pas oublier, sanction qui a été prise, c'est pas lui, moi je le prends. D'accord? Monsieur, c'est visa, monsieur, t'es retiré. Moi, j'ai juste besoin de monter aux États-Unis. Pascal, toute négociation qui fait avec facilité, c'est juste pour nous capable monter aux États-Unis back. En rien encore, Pascal. Font-y cop en bas, dans mon ministère, parce que pas oublier, moi, j'ai le guitant à bataille là, il dit c'est lick pour le ministère de l'Intérieur comme d'habitude. Je ne te continue à gagner là. Depuis sous Jovenel, l'ab gagne, li gagne sous Ariel, li continue à gagner sous Ariel net, et puis il continue à gagner. Je ne connais pas la voilà là. A deux effets qui en bas. C'est toujours moun. Amos Zéphirin, justement. Qui en bas. C'est moun Jean-Charles que monsieur. Ça va être chargé. C'est pas trop que monsieur pas gagne chance que y a pas payé du tout. C'est dur qu'en fait. Et en 2004, et j'ai l'entente qui patrivé dans cette primatia et seulement avec communauté internationale là, non? C'est des politiciens traditionnels locaux et pas bon ici qui étaient joués ou monsieur était arrivé là tout parce que communauté internationale pas fait bagaille pour quoi il y en a monde qui était joué en pile pour monsieur était arrivé dans cette primatia Jean Terrivia c'était Gérard Pierre Charles et c'est même Gérard Latour qui s'est quoi tout hier Gérard Pierre Charles. Comment il va le tout gérer à Pierre Charles? Les gens à la tortue, ils viennent dans la tête primatia. Avis, j'ai à la tortue, à comporter l'embout, on l'a fait l'obéi. Quand il y a Gérard Pierre Charles pour un téléphone, il y a les gens à la tortue. Gérard à la tortue, il manque M. Degas. Il manque M. Degas dans le téléphone, il dit monsieur, il dit net politique, ça va payer en chance. Et puis monsieur senti ça tellement vexé. Et puis monsieur fonce toi, moi. C'est grave. C'est même bagarre la coupe du là oui même nèg ou aujourd'hui là qui jouait pour Gary Conny venir dans cette primatia j'arrive là c'est même yo même là Gary Conny pas shooter derrière tout yo même tout qui balle en face Gary Conny tout c'est même qui balle dit qu'il dit bagarre de monsieur même blanc on va pas faire besoin dans mes CPA c'est nomination Gary Conny seulement des besoin mais pas l'autre bagarre je dis là blanc pas besoin CPA encore on y a Gary Conny ou pas géré, qu'on y a nous pas regardé qui se cache des dos. Et question Gary Conny là, qui intérêt que communauté internationale a gagné là-dedans. Pour un bagage communauté internationale a joué là, il faut ouais, c'est poulain yo. C'est yon employé l'ONU qui vient là, qui vient diriger pays là. C'est parce que yon besoin fait yon mascarade électorale pour yon imposer moun ke yon vle ya. Est-ce qu'on est depuis le temps de citer nos gars qui ont seulement qu'on est capable et il coule cette tête là obligatoirement obligatoirement. Vous comprenez? Non. Et c'est pas aujourd'hui non ça citer pour venir premier ministre depuis sous Ariel. Depuis sous Ariel. Depuis sous Ariel. OK. Et je dis là
yo joine espace là, yo imposé monsieur Mandi avec premier objectif, mais on ça réaliser yon mascarade électorale pour mettre poulain international là. Ou konsa mwen encore bam tout ça. Ou konsa mwen remet dans sa fête là, bam tout ça honnêtement. Parce qu'elle mwen remet position l'église protestante d'Haïti. Parce qu'elle met ça pays. Attends les garçons, ou elle n'a pas les deux. Ou comment ça pays? Non, non. Elle n'a pas les deux. L'église catholique et l'église protestante, pas de à fait pays là-dedans. Non. C'est qui volait, parce qu'elle est qui volait maintenant. Non, non. On garde bon côté, on garde bon côté l'église et l'église catholique. Nous rappelons-nous, Vatican pas jamais voulu reconnaître l'indépendance pays. Non, ça va être fait. Je vais d'accord. Et l'église catholique pas jamais prend position pour perdre. Jamais. Après, nous rappelons-nous, quantité sac que l'église catholique commet dans la période et coloniale esclavagiste là, parce que pour instaurer esclavage et sous-prête noyau. Et bien, c'est avec religion catholique. Et l'un prend l'église protestante. Il n'y a pas de différence parce que c'est christianisme même. Pour qu'un bon peuple dans la crasse, dans la misère, qui ça a utilisé? Il a utilisé la question christianisme. Eh bien, ou pas, le peuple africain là, ou est-ce qu'il y a un peuple qui a plevé campé là, qui commence, ou est-ce pays ça, un paquet de pays en Afrique commence à prendre, ou développement là, c'est parce que. Yo mette question religion importée à sous-côté. Question christianisme, islam, non. Yo commence à mettre bagage à sous-côté. C'est des âmes qui sont utilisées, ça veut dire pour empêcher peut-être yo réfléchir. Et c'est ça pour là, yo font pote boue là, et des gariconi. L'église a calotte pour côté, que des gariconi. Pour qui est l'église à travailler? Est-ce que l'église pas travaille pour la communauté internationale mafia? Ou pas, ouais, qui paye ou est bon paquet si l'église a calé là dans ta couche d'un c'est pays sous-développé. Parce que pays pas développé avec si religion calé contre d'un parce que yo tout, yo vini avec une mission, avec même mission. Mission yo, c'est vini zombifier peuple. C'est ça, ou pas, non, état de zombification qui est. Qui mettait le pays. Je vais parler des questions d'Arikounine, je vais parler des premières missions. C'est une réalisation mascarade électorale, ça veut dire pour imposer poulain blanc. Deux, c'est permettre la communauté internationale là d'exploiter mine en d'un pays. Exploitation mine. C'est grave, mettre là. Il y a une compagnie américaine qui a préparé là, qui a vint exploiter mine. Et le troisième bagaille, malgré tout ce temps de Haïti a bidé Haïti. Et nous toujours dit, c'est menti. Haïti était un pays qui vierge. Complètement. Haïti pas exploité, oui. Et c'est ça que fait les États-Unis toujours dit, Haïti c'est réserve li. Et ça, mais ça passe tout. N'a pas qu'à faire grande exploitation. N'a pas fait ti bagay comme si rentre un côté pour ti bagay. Mais parce que pour faire grande exploitation, faut gagner des gros usines pour installer dans le pays et pas qu'à faire n'importe gens. Par contre, comment ça m'a dit là? Il faut que gagner des pour faire. Eh bien, non, moun pio mette dans tête pays a pour si un contrat et tis ami avec yo pour permettre yo vin exploiter richesse qui dans sous sol pays a. Et par l'autre, non, c'est Gariconi. Parce que Gariconi, bon pratique de travail avec yo de longue date. Et ou en a bataille kap mene la pour get contrôle pays a, c'est question Haïti vierge là. Haïti sont peut-être qui assure que bon paquet espace. Dans l'autre pays qui menace. Yo besoin Haïti pour venir comme réfugié. Ou va yo utiliser toute stratégie pour mettre haïtien dehors sur terre. Mais haïtien pour comprendre ça et raison fait yo pas comprendre ça c'est parce que et moun ki là pour éduquer yo pas fait éducation même l'école là, li pas formé ça au lot et citoyens de demain, des citoyens patriotes. C'est ça, oui, pour former des citoyens patriotes. Justement. Et qui prêts pour défendre l'intérêt pays. Mais ça n'est là, c'est des gens qui ne vont pas gagner pour le pays. Même si autant de c'est haïtien, ils ont un passeport haïtien, mais tout le monde, mais ils n'ont pas vraiment un attachement au pays. Ils sont prêts, ils vendent le pays pour pas battre. Pour pas battre.
Pour vos patates, parce que Poutine, qui est-ce qui vend pays avec les communautés internationales mafia? C'est politique, c'est la question de la Dokale. Et même la question force multinationale, et m'a parlé, m'a dit, ces derniers temps, on parle de force d'occupation, on a parlé. Pour qui est-ce force d'occupation toujours bon? C'est pour oligarque. 1915, qui est-ce qui était renforcé? Il renforçait la mulatterie. Les hommes de couleur, les mulatteries, on doit éviter des questions mulatteries. Lui, 1915, il était renforcé, monsieur Sivienyo. Et c'est même bataille qui a fait là, où est-ce qu'on bataille qui a mené en Dabéia pour une force d'occupation vienne là, pour être capable et protéger tête, protéger intérêt. Parce que vous faites une course en bagaille là, en Dabéia. Vous perdez le contrôle bagaille là, et bien il y a tout bien. Et pour sortir dans sa nuit là, nous besoin haïtiens conséquents. Et des haïtiens qui campent devant la communauté internationale là pour dire bagaille aux gens liés. Parce que, comme on comprend, un pays, c'est pas dans les sous tutelle Nations Unies, qui est le ganglais, et nous connaissons pas participation et madame qui était dans la tête du nid, et l'Enna Lim, madame la Lim, dans la construction de la ville. Ça y est, la Lim, non? madame, ça. On regarde, c'est sous même Nations Unies, ça. Président assassiné. Assassiné lâchement. Owen. Lâchement. Eh bien, Konya, faut questionner le président des Nations Unies qui rôle qu'elle joue dans le pays, qui importance li pour le pays. Effectivement. Tout le temps, c'est les Nations Unies, quand dans le pays, qui prend des décisions pour nous fait carré dans le problème. Nous fait carré dans le problème, oui. Tout le pays là où elle commence à gagner stabilité là en Afrique là. C'est des pays qui choisissent, mais non, pas parce qu'ils mettent l'ONU dans un pays, parce que l'ONU n'est pas venu de l'un, il y a extérieur pour eux. Dans le continent africain, mon cher Babo Mati, il y a un nettoyage de fête, un nettoyage à pression. Pour un millier de bagages qui doivent être pour capable de résoudre question sécurité, question problème et sécurité qui est là, c'est une bataille pour mettre l'ONU dans un pays. Où est-ce que là, Pascal? Et nous allons finir, nous étions deux minutes. On va faire ça. Et pendant qu'on a parlé de retirer l'ONU, retirer un série de pays impérialistes, dans un série de pays qui peuvent estimer qui collaborent pas pour des résultats. Par exemple, à Burkina Faso, on connaît son pays, m'a suivi de près, jeune capitaine Ibrahim Traoré, son jeune garçon qui est parce qu'il est une génération pas noire. Et est-ce qu'on est dernièrement la peuple a pris décidé de dire yo ba mis sous prolongation yo ba mis sous mandat 5 ans Pascal parce que ça mis ça fait à estimer que yo pas en mesure pour que al remettre pouvoir à travers une élection libre et démocratique pour que l'autre monde vienne porter au candidat yo dit que yo prend décision yo même comme c'est même yo même encore qui va participer dans même élection ça mais yo prend décision pour l'état pas dépenser comme là attendez bien Pascal. Il prend décision pour l'État par dépenser comme blanc. Il dit que, parce qu'à l'unanimité, parce que mon Dieu exprimé publiquement, il est dans toutes les côtés de la fête, il dit que, il prend décision pour que, puis prolonger madame Monsieur pour 5 ans. Il dit après 5 ans, il n'y a pas de problème pour une élection d'avoir faite. Mais pour l'élection faite, il faut que Monsieur tout qu'à aller dans l'élection en tout. Est-ce qu'on comprend nous, parce qu'à l'autre travail pour vous? Non, c'est parce que population, et Burkina Faso, satisfait du travail. Des performances, monsieur, voilà. Et il commence, et Ibrahim Traoré commence à faire, et Burkina Faso. Mais s'il n'a pas de résultat, il n'y a pas de tap mené dans la bonne direction. C'est le tap du Kabela. Il a dit le Kabela, voilà. Kabela, nous n'avons pas qu'à continuer à avancer à voir encore. Et c'est le problème que nous avons là, malgré nous, les politiciens traditionnels de Kale a mené nous dans la mauvaise direction, nous continuons à avancer avec eux. Et c'est grave. Et avant ça, avec vous, moi, c'est parce que vous avez contrôle sur vos populations. C'est vos populations. Eh bien, Pascal, n'a pas de problème. Vous avez contrôle à travers les médias, avec les religions. Religion, justement. Si vous avez contrôle sur vos populations, c'est déjà un éclatement social qui fait dans la pays. C'est automatique, bon. Le bâtiment de l'homme, quand même. Non, si tu as vivre là, Haïti, c'est le moment qui a éclaté. N'importe quel moment. Par contre, c'est tout. Toutes les gens sont déplacés là, et côté où ils viennent avec un fonctionnaire, ils viennent mettre là, pour être capable de nous calmer,
parce que c'est pas ça qui a résoudre problème. Le problème qui a résoudre premièrement, c'est une bataille qui doit faire pour changer le modèle l'État féodal. L'État féodal. Et puis, on y a pour construire un État national, un État qui